Monsieur, je sais. Les critères, si vous voulez, au départ, faire une ouverture de raie, qu'on appelle, de sillon. Et donc, il faut une première ouverture de chaque côté, on ouvre un cœur. Après, à ce temps-là, il s'arrête, on les note. Après, il recouvre le sillon. Après, il s'arrête, on les renote. Après, ils font quatre passages, si vous voulez. Il s'arrête, on les renote. Et après, si vous voulez, il termine. Donc, ça veut dire qu'un sillon doit aller rejoindre l'autre. On doit être labouré, il ne doit pas y avoir de passage non labouré entre les deux sillons. C'est physique, hein. Voilà, physique, hein, parce que cette année c'est trop sec, mais sinon c'est juste la charrue en équilibre. Hein. Il ne faut pas forcer pour pouvoir tenir toute la journée, il ne faut pas forcer. C'est une histoire d'équilibre et de réglage. Je ne sais pas si vous voyez les fentes qu'il y a dans le sol. Regardez mon pied. Voilà. La sécheresse. Donc c'est plus dur pour le cheval ou pas? Ah mais bien sûr, il y a beaucoup plus de résistance qui s'opère sur le socle. Du coup, il a beaucoup plus d'efforts à fournir pour avancer. Pas marcher. Et bien. Marche. C'est un dressage particulier par rapport au cheval? Oui, il faut qu'il soit débourré normalement à l'attelage. Et puis ensuite, vous le mettez au travail. Il faut qu'il ait des aptitudes. C'est comme les gens. Il y en a qui sont faits pour une chose, d'autres pour autre chose. Là, c'est pareil. Il faut que génétiquement, il ait des aptitudes pour faire ça. On vient de vous voir à l'œuvre là, c'est ça avait l'air difficile. Hein. Oui, le terrain est assez dur. Et disons que le terrain est difficile, ben, la mécanique aussi, et voilà. Donc heureusement qu'il y a des candidats bien brillants à côté de moi, donc qui ont pu faire un très joli labour. Vous n'allez pas gagner? Non, ça c'est. Non, je ne vais pas gagner. Mais bon, c'est sympathique. Donc. Alors cet événement, il est 23e édition. Ça se passe bien, non, j'ai l'impression. Oui, ben, la météo était pas certaine, mais effectivement, parce que nos animations, comme le battage, nécessitent pas de pluie, parce que les gerbes seraient mouillées, la batteuse serait mouillée, donc il faut vraiment qu'on ait du beau temps. Donc là, c'est vrai qu'on est content, parce qu'on va pouvoir faire fonctionner le matériel comme prévu et comme on doit le faire. Donc le temps est au rendez-vous et le monde aussi. Oui, ben, oui, ça a l'air de plaire aux gens qui viennent. Il y a un peu tous les âges, donc ça c'est sympathique.